aujourd'hui je suis venue vous faire une petite vidéo un peu mise au point parce que voilà, vous allez comprendre plus tard. Je sais pas si vous avez entendu parler de la controverse qui se déroule autour de la marque Soufil. Alors Soufil, qu'est-ce que c'est? Soufil, c'est un site de bijoux qui vend des bracelets, des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles et aussi des petites charmes, donc des petites breloques comme Pandora. Donc cette marque est devenue réputée parce qu'elle fait énormément de partenariats avec les youtubeuses et ne promet pas la même chose aux abonnés. Donc je m'explique. Deux petites minutes. Donc bref, je disais quoi moi? Alors je vous préviens, petit disclaimer avant parce que je sens que j'ai peur en fait que cette vidéo ait le plus de commentaires négatifs qui soient sur ma chaîne. Je ne suis absolument pas payée par cette marque ni par toute autre marque d'ailleurs. J'ai accepté ce partenariat juste parce que je n'ai jamais fait de revue sur les bijoux et je me suis disais que c'était une bonne occasion. Et en plus, comme elle me promettait, elle me promet toujours d'ailleurs, un code promo pour les abonnés, je me suis dit bah je saute sur l'occasion parce que des fois il y a vraiment des très très bonnes réductions sur le site. Donc voilà, point final. Donc j'ai dû choisir pour 80€ de bijoux, soit de charme, donc de breloques, soit d'autres bijoux en tout genre. Donc, où est cette petite chose? Dans mon colis, j'ai reçu cette petite pochette avec le nom Soufil et le site dans le petit paquet. Donc c'est bien pour faire des cadeaux, etc., etc. Et ce que j'adore le plus, c'est ce que pratiquement en fait ce débat est né de là, c'est ces petites boîtes blanches. Alors, ces petites boîtes blanches, les voici, elles sont très très mignonnes, avec un petit ruban bleu sur le dessus et un petit écrin qui s'ouvre et il y a tous vos bijoux là-dedans. Donc je trouve que même s'il est assez solide, donc c'est super bien pour vraiment garder vos bijoux en sécurité et aussi bien pour un cadeau. Donc j'ai trouvé ça très très joli. J'ai pris plusieurs choses pour vous montrer vraiment toute la variété qu'il y a. Donc en fait chaque bijou, je tiens à préciser, était dans une petite pochette. J'ai enlevé, ok. Donc il y a d'abord ce petit collier sautoir très très long, donc j'étais assez surprise. Multicolore, donc il existe aussi avec des cristaux blancs. Vous pouvez aussi le mettre comme ça du côté or. J'ai reçu cette petite bague en forme de jaguar qui s'enroule autour de votre doigt, donc j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment magnifique. Ensuite, ça c'est vraiment le must du must. Cette petite bague avec plein de petites perles et de cristaux sur le dessus, donc elle est assez volumineuse et j'adore les grosses bagues, donc je dis ça c'est absolument fait pour moi. Et aussi cette petite bague assez simple, assez épurée et qui fait un petit peu fiancée, et je trouve que c'était genre bien pour éloigner le pédard, enfin bref, ou baisser, je veux dire. Et ensuite j'ai pris deux petites boucles d'oreilles. Je vais les offrir à ma mère. Donc elles sont extrêmement classiques, extrêmement élégantes, juste un travail extrêmement bien fait. Et enfin ces deux petites boucles d'oreilles avec des perles ici et des cristaux sur le lobe. Donc j'ai trouvé ça très très joli et très très simple. Et un peu passe-partout, donc j'adore les trucs assez épurés pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien montré tous les bijoux. Si vous voulez les voir plus en détail, je les mettrai plein de photos de très bonne qualité sur mon blog et plein de petites descriptions. Et tous les prix seront aussi sur mon blog, donc n'hésitez pas à cliquer ici. Vous avez donc 5% de réduction sur toutes vos emplettes. Avec le code promo The Doll ou quelque chose comme ça, tout est dans la barre d'infos. Ça, c'était la partie extrêmement positive de la vidéo. Les choses se compliquent. Personnellement, tout s'est très bien passé pour moi, heureusement, on va dire ça. Mais dès que j'ai publié la photo des bijoux, quand je les ai reçus immédiatement sur Facebook, Twitter et Instagram, ma nouvelle amie youtubeuse Elisabeth, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous. M'a dit en commentaire, est-ce que tu as entendu parler du gros problème en fait qui se passe sur YouTube sur cette marque. Donc moi j'étais pas du tout au courant, vu que je suis plus du tout sur YouTube en ce moment, je suis dégoûtée. Donc voilà, j'étais pas du tout au courant et je me suis dit bon bah on va aller jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe vraiment. Donc elle m'avait conseillé de voir une vidéo d'une youtubeuse pas
très connue, je crois, vu que je la connaissais pas du tout. Donc c'est Mademoiselle Papoche, je vais vous montrer le lien de sa vidéo en barre d'infos aussi. Et elle explique vraiment toute sa mauvaise expérience avec la marque Soufil, avec son partenariat Soufil. Donc je vous explique le problème. En gros, les youtubeuses reçoivent ce sachet avec cette petite boîte bleue très très jolie pour faire leurs vidéos avec des bijoux très beaux, très bien, etc, etc. Mais c'est là où il y a le gros hic, les abonnés ne reçoivent pas du tout ça. Donc par exemple, si quelqu'un regarde une youtubeuse faire sa revue et qu'il est séduit par les bijoux, il va automatiquement aller acheter. Et donc quand il va aller acheter, il va recevoir son colis et il peut recevoir de très mauvaises surprises dans son colis. Donc ça veut dire qu'il ne reçoit pas du tout la boîte blanche, mais une boîte noire toute simple, sans pochette. Les bijoux peuvent des fois être peut-être cassés, peut-être abîmés, peut-être... je sais pas, ça dépend vous et votre colis. Et voilà, et donc les abonnés sur les vidéos des autres youtubeuses, c'est ça qui m'a un peu énervée, c'est que elles attaquent directement les youtubeuses parce qu'elles leur ont vendu du rêve et que c'était pas honnête de leur part de faire cette vidéo et de les séduire par les bijoux et par les boîtes et par le coffret. Donc ma réponse à ça, parce que je trouve ça un peu exagéré quand même, parce qu'elles se font pratiquement lyncher sur leurs vidéos juste parce qu'elles reçoivent une boîte noire alors que les youtubeuses reçoivent une boîte blanche et une pochette. Je veux dire, à un moment, il faut pas insulter quelqu'un, il faut pas agresser quelqu'un verbalement de n'importe quelle façon que ce soit juste parce que vous n'avez pas reçu une boîte et une pochette. Je veux dire, tu vois le délire? Bon, aussi je suis avec les abonnés parce que le site ne précise en aucune manière que les boîtes blanches sont payantes. En fait la différence avec les boîtes noires, les boîtes blanches sont beaucoup plus solides, beaucoup plus jolies et fournies aussi avec la pochette cadeau et ça coûte plus cher donc au site et à la marque. Donc forcément si vous voulez avoir une boîte blanche et une pochette, vous pouvez payer environ 8 $ ou 8 €, je sais pas, de plus quand vous commandez. Et la boîte noire est envoyée gratuitement. J'ai vu des avis qui divergent énormément sur internet et je peux pas trop donner mon avis vu que moi j'ai été gâtée et que je suis pas du côté obscur de la commande en fait. Donc voilà, c'est ça qui est pas très très bien. En gros, ce que je dis sur cette marque, c'est que d'un côté c'est pas bien parce qu'elles n'agissent pas de la même manière avec les youtubeuses qu'avec les abonnés, mais d'une autre part, je veux dire, on n'agresse pas quelqu'un et c'est un peu la faute des gens qui commentent sur les vidéos YouTube. Ce n'est pas du tout la faute des youtubeuses de présenter quelque chose qu'ils ont reçu, tout simplement. Elles ont reçu une boîte blanche, une pochette blanche, elles présentent une boîte blanche, une pochette blanche. Je veux dire, à un moment, on n'était pas du tout au courant que la boîte noire était fournie à la place de la boîte blanche. Et si tu commandes sur le site de bijoux, c'est que forcément tu veux recevoir les bijoux et pas que la boîte. Donc je veux dire, c'est pas la peine de faire une polémique sur une boîte alors qu'elle va finir dans un tiroir et que les bijoux vont finir dans un présentoir ou je sais pas, sur votre cou, sur votre poignet. C'est pas pour ça qu'il faut créer carrément une polémique et je trouvais ça un peu injuste pour les youtubeuses. Donc voilà, conclusion de cette vidéo qui peut être un petit peu longue. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas, il y a le code promo en barre d'infos. Si vous avez n'importe quel problème, contactez-moi, je contacterai peut-être plus facilement la marque que le service après-vente qui est un petit peu nul, je crois. Mais je veux dire, pour la qualité des bijoux que j'ai reçus moi, je veux dire, je paierai totalement le prix que j'ai payé vu qu'en magasin on les trouve à 2 voire 3 fois plus cher. Si vous ne voulez pas acheter, moi ça me pose aucun problème. Je veux dire, c'est votre vie. Je veux dire, ok, moi j'ai juste fait que présenter les bijoux que j'ai énormément aimé. Donc je vois pas pourquoi je vais agir négativement juste parce que les autres l'ont fait. J'ai averti la marque, je leur ai dit que j'allais être honnête dans ma vidéo, que j'allais dire la vérité sur les bijoux et ce qui se passe
en ce moment sur YouTube. Donc la marque m'a dit qu'il n'y a pas du tout de problème, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne suis pas restreinte au niveau de mon langage et au niveau de mon avis sur ces bijoux. Voilà, je crois que j'ai fini. S'il vous plaît, tous ceux qui ont eu une assez mauvaise expérience avec cette marque, n'agressez pas les youtubeuses, elles ne sont pour rien du tout. Elles ont reçu quelque chose de bien, elles présentent quelque chose de bien, c'est la vie, c'est comme ça, ça se passe comme ça, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Allô, vous payez le bijou, vous voulez porter le bijou, vu que vous êtes sur un site de bijoux. C'est pas assez simple. La marque, je crois pas trop que je vais refaire un partenariat avec elle, même si elle était très gentille avec moi, mais voilà, je veux plus de problèmes ni de jeux de ce genre. Et les abonnés, soyez sympas entre vous, soyez sympas avec les youtubeuses, fighting. Et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonné qui se trouve juste ici, ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à la prochaine fois.